l'équipe importante du FC San Pedro. On va jeter dans quelques instants un coup d'œil au niveau du classement également, à gagner face au Stade d'Abidjan pour le FC San Pedro qui était classé 10e avant la 20e journée. De gros enjeux, Kalou. Faut forcément gagner pour éviter la zone de relégation pour le FC San Pedro. Oui. Qui retrouve Aka. Alors Dosso, hein, qui est très souvent remplaçant et qui a une chance aujourd'hui, hein, de commencer ce match-là et de montrer qu'il a, hein, le potentiel d'un joueur titulaire. Il a été très souvent utilisé comme joker et ça a été le joker parfait. Dosso, Bobbe, Fabius. Ils sont en train de leur première saison en Ligue 1 ivoirienne. C'est un ballon pour les jaunes et noirs. Aka Saint-Gernot va le laisser. Une faute commise par Koné Romaric, le jeune garçon de 17 ans. Et voici Koné Romaric. Là, on va suivre également pour l'instant un duel remporté à deux reprises par le joueur Petrucci. Quand on le voit jouer, on a l'impression qu'il a... On va dire avec lui que l'expérience n'est pas... On va retrouver dans quelques instants. Pendant ce temps-là, il y a une occasion pour un contrôle de la poitrine. Il peut bien se retourner. Aka. Merci, coach. C'est bon. Effectivement, le contre Christian Dia face au portier, il tente le centre et c'est le corner, le premier de la partie sur la première accélération effectivement de Christian Dia de la FAD. Oui, je pense que Dia avait l'occasion encore d'aller plus vite et surtout continuer dans sa course. On le voit partir ici en profondeur. Voilà, je trouve que sa passe n'est pas bonne. Je trouve aussi qu'il ne fait pas de différence vraiment avant de faire la passe. Là, il avait la possibilité de faire la différence et de servir, de donner plutôt un bon ballon. Qui est pratiquement la tour de contrôle de cette équipe de la FAD. On cherche en profondeur avec Yopini qui cherche Madou Fofana sur le côté gauche. Il va peut-être tenter le centre, le 1 contre 1. Yopini à la rescousse et il obtient, non pas de corner, mais plutôt un 5m50 pour San Pedro. Oui, les attaquants ont quand même un peu de difficulté à faire les différences, notamment sur cette action-là où on le voit. Le côté droit. On cherche toujours, hein, Oliver ou victoire de la saison. Oui, cette équipe de San Pedro, je dirais, a quand même un peu de mal à jouer. On espère vraiment pour cette équipe qu'elle sera récompensée. Et cette frappe de Anissé. Pour...